Re YouTube, c'est reparti pour cette session de Horizon. Horizon avec le jeu qui est en pause mais qui change des trucs. C'est magique. Hein. C'est magique. C'est pas moi qui le dis, c'est pas ta tarte qui le dit dans le chat. Donc évidemment. Ça ne peut être que vrai. Si c'est Monsieur Patatarte qui le dit. Let's go. On va aller récupérer. Nos petits cristaux bleus. J'ai une piste là. C'est quoi ce merdier de piste? Mes petits cristaux, ils sont où? Parce que là, je suis dans la zone. Hein. Mais il y a un mec, quoi. C'est quoi là-haut? Tiens, un veilleur. Suivons la piste. À quoi qu'elle mène? Je vais essayer de pas me faire écraser, ce serait pas mal. Oh, lui il va me voir 100% là. C'est quoi ça? Les Banouk le protégeaient. Ce grand coup devait être sacré pour eux. En fait, la piste a fait juste le tour. Hein. En fait, je me suis bien fait baiser. Hein. Non, non, non. Non, mais dans sa tête. Merci. En fait, je suis juste en train de suivre une piste qui fait un tour. Je me suis bien fait bait, hein. Ah, 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 chouette. Ok, bon. Ensuite. Oui. C'est là? Non, c'est ma chouette qui est morte là.
Faut que j'arrive à trouver... Là-bas, y'a quoi? Non mais c'est les charognards que j'ai tués ça. Ok. Bon bon bon. Et ben on va encore passer 10 plombes pour trouver pour trouver le machin là. C'est dans le coin. Ah c'est peut-être par là. Ah ah ah. Yes, c'est là-bas. Trouvède. On en a 16. On pourrait acheter un truc. Mais est-ce que c'est qu'est-ce qu'on veut? Je ne sais pas, peut-être. Sûrement pas. J'en sais rien. Voilà. Bon. Next. Next, next, next. Est-ce qu'on va pas chercher la petite figurine d'animal là? On va plutôt commencer par là. Parce que là, il y a les... Il y a les animaux là, j'ai pas envie. Mais il faut que je reprenne des bâtons. Mais j'ai un marchand ici, non? Non, il y a pas de marchand. Comment j'ai fait pour me retrouver sans... Il y a Rabia. Ah ça y est, je vois enfin Rabia aujourd'hui. Pam 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 pam. Figurine des animaux. Ah, regardez des bâtons. I need bâton. I need mucho bâton. C'est ça, pendant un moment je déconnais en disant voilà des bâtons partout, à chaque fois qu'il y avait des bâtons je les récupérais. Et finalement j'ai voilà, ça marchait bien. Jamais j'étais à court de bâton. Mais depuis que je fais plus le con, eh ben je suis à court de bâton. Voilà. Des veilleurs, ok. On a pu récupérer quelques bâtons. Voilà, les bâtons. Merci les bâtons. C'est vrai que je peux ramasser des pierres vu que j'en ai jeté deux. C'est les deux seuls que j'ai jetés de toute la partie. Par là toi. Viens te faire pirater. Très bien. C'est la gentille coureuse qui s'est piratée ça.
Ensuite. Ah, il y a un feu, tiens. Elle est là, ma figurine. Parfait. C'est un genre d'animal, un souvenir des anciens. Super. Ah, il m'en manque plus qu'une. Il m'en manque plus qu'une. Maintenant, on va aller au feu. Il a le feu de camp. Hop. Qu'est-ce que j'ai comme animaux? Là c'est du blaireau. Il y a les chouettes. Bon bah pas grand chose hein. Allez, les cristals. Repérer. Et aussi ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme animaux? Que des chefs quoi, super. Par contre, ce qui est bien, c'est que les cristaux sont les uns sur les autres, là. Et qu'on les a tous eus. Ah donc, le dernier truc d'animal, il est vraiment sur la route vers la fin. Le pigment, il m'en restait combien? Attendez, carnet. Le pigment, il m'en reste qu'un aussi. Ah, il m'en reste qu'un pigment et qu'un truc d'animal, ok, d'accord. Les deux sont sur la route vers la fin. Attendez, la carte elle est où? Elle est là. Et donc il me reste quoi? Il me reste des cristaux à récupérer. Et c'est pareil, les cristaux sont sur la fin. En fait, faut que je me téléporte ici. En plus, il y a un marchand pas loin. Non, bon, on est bien. On est pas mal. Un site avec des trackers. Ouais non mais on a bien avancé hein. On va récupérer les cristaux à côté. Et on va aller voir le marchand. Ok, en plus ils sont là. Et voilà. Oh, ce froid me brûle comme le soleil. Oui, alors on sait. On nous l'a déjà dit plusieurs fois.
soigneusement ce cristal bleu. J'aime bien quand elle dit soigneusement, elle y va comme si elle avait une pioche. mais c'est ok. Hein. On ne t'en veut pas, bien évidemment. Des bâtons. Vite des bâtons. Je pense que je vais en racheter au marchand en même temps. Ça serait pas déconnant d'en acheter au marchand. Je t'ai déjà vu toi, non? Oui, je t'ai déjà vu. Ou est-ce que... Est-ce que le mec a des trucs à vendre? Bon, là on est à 120 sur 120. Ah bah du raton. J'ai du raton à vendre. Et ensuite ça va être compliqué de trouver quelque chose à vendre quoi. Attendez, si j'achète des choses. Alors les armes, ça j'ai tout eu. Ça je l'ai pas. Rail de glace Banouk. Ah bah non, je l'ai pas ça. Attendez, mais... J'aurais pas oublié d'ouvrir une boîte à trésors. Voilà. Voilà, c'est peut-être ça en fait. Tout à l'heure quand j'ai dit, bah c'est bizarre, j'ai rien de plus. Bah ouais mon con. Plus 42 en gel. J'ai plus 41 en gel et plus 11 en dégâts, donc évidemment c'est mieux. Voilà. Attends, je peux geler les petits animaux. Ou les gros animaux d'ailleurs. J'ai tellement de trucs verts là. Ah mais je vais pouvoir augmenter capacité de stockage de ce truc là, non? Oh, des cannes de rivage, j'en ai pas assez quoi. C'est ouf. Ressources. Les bâtons. Artisanat, capacité de stockage, vas-y. Os de chèvre, peau de chèvre, oh là là. Oh, une peau de chouette. I need a peau de chouette. Et là, I need os de rat. I need peau de raton. I need peau de raton. Saleté de peau de raton, quoi. C'est quoi, ça? Donc là, elle est où, Catwoman? Elle est là, Catwoman. Et chef Banouk. Non, mais c'est pas ça que je veux... Non, mais je voulais pas équiper ça, moi. Je veux garder mon truc... Je veux garder mon truc craqué, moi. Voilà. C'est ça que je veux. Mais je veux faire de l'artisanat dessus. Anti-attaque de mêlée, anti-feu. C'est bien ça. Anti-électricité, anti-feu, anti-gel. Oh là là. Pas dégueu ça. Ça fait remonter la santé progressivement. Alors là, alors lui il est pas mal. Bon, clairement je suis mieux avec mon armure là, mais... Mais fait remonter la santé. Pas dégueu, hein. Vendre, parce que je sais que j'ai des trucs à vendre. Voilà, ça je peux vendre. Ça va être tellement bien quand j'aurai tout. Que je pourrais vendre toutes les merdasses là qui me servent à rien. Une fois que je serai sûr que je pourrais vendre tout quoi.
Les verres de scorie, je crois que j'en ai plus besoin. Peau de lapin. Allez. Ah, trois machines gelées avec le lance-glace. Ah oui, j'ai ça à faire. Faut que je gèle trois machines. Bah si je tombe sur des machines, hein. J'y penserai. C'était quoi? Curie. J'ai encore besoin de trucs d'écurie ou pas? De toute façon, lui, il avait pas l'air décidé. Lui, il avait pas l'air décidé à me filer quelque chose. C'est des trucs de chouette qu'il me faut aussi maintenant. Faut que je fasse gaffe aux chouettes. J'ai une peau de chouette à récupérer. Enfin, à récupérer. Il me faut une peau de chouette pour améliorer encore une arme. Non, bah ouais, avant d'aller... J'ai ici à aller avant. C'est quoi les petits animaux à côté? Des testudiens. Mon bouclier ne résistera pas à ces signaux. Ah mais c'est bon, j'ai juste à faire ça. Regardez. Ah non merde. Ah non merde. Alors lui il vient par là. Lui il fait quoi? Il fait son petit tour là. Putain, j'avais pas fait gaffe que lui il est en train de me mater là. Dépêche-toi, 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 avant qu'il te voit, avant qu'il te voit, avant qu'il te voit. Yes! Ça fait tellement mal ça! Pourquoi je l'ai pas utilisé plus ça? C'est génial, c'est juste génial. Voilà, mais ça fait tellement de dégâts. C'est ouf. Non mais je découvre des... je découvre des trucs à la fin du jeu quoi. Un peu dommage quand même. Je sais pas combien ça coûte mais...
Des bâtons. Un petit piétineur là dans le coin. Ah. Qu'est-ce que... Hein ? Quoi ? Ah non, d'accord, il y a une falaise. Oh là là. Je croyais vraiment qu'il y avait une chèvre en haut du... Bah, il y a un mur. Hein. Ah! Je pense que ici nous avons... Je suppose que les anciens aimaient bien ces animaux. La figurine d'animal. Le petit point de données. Qui fait du plaisir ou pas. Oh non, elle se barre! La connasse. Oh, je suis sûr qu'elle m'aurait donné ce que je voulais. C'était sûr. Allez, une peau. Ça se conserve. Elles sont pas sympas les chouettes, hein, vraiment. Je suis très déçu, hein. Bon, on a quoi là? Ah, déjà, on en a plusieurs. Et nous avons une grilleuse et un haut de patte. Elle a encore désactivé mon bouclier. Génial. Ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu. Oh, en face il m'a vu. Attendez. Ah merde, il m'a vu. Barrez-vous. Barrez-vous, je suis caché.
putain. Fais gaffe. Occupez-vous de vos affaires. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait les piétineurs juste au-dessus. Allez. C'est bon. Il va reprendre sa petite routine. Je vais pouvoir aller pirater l'autre tour. Enfin, j'espère. Parfait pour un remède traditionnel. Une chouette. Une chèvre en hauteur encore. Encore une chèvre qui vole. Mais les hautes pattes, j'avais pas un truc à faire avec les hautes pattes, je sais plus. Je crois, hein. C'était pas leur balancer des carreaux électriques à la tronche? Il semble que si, hein. Oui, t'en fais pas. Je vais la détruire. Est-ce que je vais pas passer par en haut? Je pense, hein. Je vais être moins visible si je passe par en haut. Ah là, par là. Quand il est là au bout, ça a l'air d'être pas mal, hein. Regardez. Regardez comment il va se faire avoir. Ce signal va travailler pour moi. Réglons ça vite. Allez. Ça, c'était dans ta gueule, toi. Hein. On va s'occuper de ton pote là. Attendez, oui. Hop, les quêtes.
Le foudroyeur. Haute patte. Bon bah voilà. Les robots, ils ont tous des haut-parleurs. Ils pourraient faire vraiment mal si on leur faisait diffuser du Lara Fabian. Attends, c'est pas con ça. Ça se trouve, le Diamond, là, c'est ce qu'il voulait faire, en fait. C'était son projet. C'était de balancer du Lara Fabian plein de balles partout. Et là... Et là, on n'aurait pas fait les, on n'aurait pas fait les, nos malins, hein, les humains. Hein. Je pense que ça aurait chié. J'ai l'impression que mes yeux vont rester collés si je les ferme. Coucou, coucou, Blacky. Attendez, une chouette. Moi de la peau de chouette, par pitié. Oh, c'est bleu. Yes, peau de chouette. Hein? Ah, désolé. Il me faut des bâtons. J'ai plus de bâtons. Vite des bâtons. Ouais, il y a du bâton là. Merci. Pourtant j'avais coupé le son. Vous avez quand même compris que j'ai éternué. Vous êtes fort. Hein. Je veux des bâtons. Ah bah là il y a de l'eau. Généralement près des... Au bord de l'eau, il y a de la canne de rivage. Ah, je pourrais utiliser le truc de geler les ennemis là. J'ai que de la coureuse. Ouais. Hop. Regardez ça. Le rail de glace. Se faire un petit rail de glace là. Hop. Ça va tant que tu fais pas le trio Perro éternuement en même temps. L'honneur est sauf. Ça c'est un coup. Avec le lance. Attends, c'est celui-là hein. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Y'a pas une troisième là? Non. C'est dommage. Oh si, regardez, y'a les... Putain, mais il va être glacé combien de temps là? Oh, y'a les machins qui me... Ah, il m'énerve. Ah, regardez, il est plus glacé lui. Hop là. Voilà. On fouille. On récupère des bouts de bois.
sont les étincelles là? Elles sont chiantes. Et du coup, est-ce que j'ai assez récupéré? En fait, c'est bien parce que là, je vais augmenter. Combien? 188. Je vais augmenter le truc et puis je vais plus avoir de. Je vais plus avoir de bout de bois pour faire des flèches. Je vais regretter. L'instant d'après, je vais faire. Ah, je regrette. Les étincelles, elles sont dans tes yeux. Oh là là. Oh là là, mais voyons. Il ne faut pas être si bon avec moi. Ça y est, j'ai tous les pigments. Regardez, je sais pas quoi en faire du coup. Je sais pas quoi faire des pigments. Ah mais j'ai toutes les figurines aussi. Si j'avais pu trouver un petit feu de camp dans le coin là, ça aurait pas été mal. Cible héros ça. J'ai l'impression d'être loin du dernier feu de camp et ça m'emmerde un peu. Elles sont où les étincelles? Parce que d'habitude elles sont plus que une quand même. Regardez. On va les faire venir. C'est parti. Voilà. Ah! Ah! Elles m'ont pas vu par contre. Ça c'est rigolo. Elles m'ont pas encore trouvé. Tiens. Mange ça toi. Ah tiens, elle est là. Voilà, et l'autre elle est où? Eh mais je fais tellement plus mal maintenant. Depuis que j'ai oui bah oui. Depuis que j'ai pimpé mon arc. Merde. Regardez ça. 26, 18, 18. Oh putain, les dégâts en flamme là. En fait les étincelles c'est deux coups maintenant. Je les touche shot. Ah non, là zéro de vital. Zéro de vital mais elle veut pas mourir. Merci hein. Ah ah ah. Le jeu qui déconne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait le jeu là? Jean-Michel Caméra. Là faut que j'enlève mon marqueur parce qu'il m'emberne. Il m'emberne. Il m'emberde. Petit blaireau là. Ah bah oui, le prochain feu de camp il est là. Bah oui. Il est à l'endroit où je dois aller. Vu qu'il y a un petit village. Par contre il y a une... Ouais, il y a encore un machin là. Est-ce qu'il est simple ou est-ce qu'il est pas simple? On a quoi? On a du veilleur. C'est tout?
On aurait que du veilleur là ? Non, il y a des trackers. Ouais. Tout à l'heure, Chrisou, il a pas dit que j'étais moche, mais que je souriais pas sur mes toffes. Du coup, c'est cool, je suis pas une cause perdue. Chrisou, il est gentil. Comment ça, t'as balancé des photos ? Ah, ça y est, je commence à avoir des quêtes. Enfin, mais des trackers, quoi. Ah ouais, je l'ai vu. Je vais aller au village. Et je reviendrai. Je vais sauvegarder. Non mais en privé tout ça, tout ça. Oh là là. Ah ouais. Ça commence à se balancer des photos. Ah. Regardez un renard invincible. Qu'en pensez-vous? J'ai découvert le feu de camp, c'est parfait. Mais je vais aller acheter des bouts de bois quand même. Ouais. Il y a un marchand. Ah ouais, il est là. Regardez. Tu vois ma tronche de MP, mais bon, pas sûr que c'était moustique. Pas sûr non plus. Je veux pas m'avancer, mais il est très probable que non. Les armes, j'ai tout récupéré, c'est cool. Et donc je vais pouvoir commencer à acheter des vêtements. Regardez ça. Hop! Faut que je trouve d'autres cristals. Est-ce que... J'aurais-t-il pas des trucs à vendre? Si, j'ai un millier de trucs à vendre, hein, mais Mais je sais pas quoi vendre, quoi. Ça, c'est bon. Ah non, mais je voulais... Bah oui, je voulais acheter des bouts de bois. Des ressources. File-moi des bouts de bois. Voilà. Super. Et du coup... Artisanat... Non, pas ça. Capacité de stockage... Et là, regardez. Hop! Un truc de plus. Là, il me reste plus que ça. Là aussi. Ah, du raton. Si seulement je pouvais acheter du raton. Si seulement je pouvais acheter du raton laveur, quoi. Ça serait tellement bien. Et tracker, elle est haute patte. Ou alors je retourne dans une zone en dehors de ce truc là quoi. En dehors du DLC. Ce serait un honneur de te parler. Je te connais, chasseuse. Ah ouais? Les couplets qui composent ton chant relatent des victoires impossibles. Les notes s'élèvent à travers la plaie. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit dans les chants. Oh là là. Je le sais bien. Mon chant a longtemps retenti à Banur. Umnak, le chasseur de machines légendaires. T'as pris cher, mec, quand même. Ma présence, une proie. On l'appelait la griffe souterraine, à l'époque où j'étais jeune. En la tuant, j'offrirai une belle conclusion à mon chant. Ah. Avant, je me déplaçais entre Banur et la plaie sans m'arrêter pour dormir. Mais cette fois, j'ai mal partout, chasseuse. T'es un peu vieux, mais c'est bien que t'aies vécu aussi longtemps. Plus forte qu'Aratak, à la tête d'Averak. Si la moitié de ton chant dit vrai, tu es la seule chasseuse que j'enverrai à ma place. Ah. Que je chasse pour toi? Pas seulement, non. Pour un ami. Mal partout, vu le froid et l'humidité, j'imagine les rhumatismes, tu m'étonnes. Tu veux que je chasse à ta place? C'est une espèce de coutume banouk? Ce serait une bonne idée, mais non.
On survit et on domine jusqu'à ce qu'on n'y parvienne plus. Je l'avoue, ce n'est pas facile pour moi. Pour toute autre machine, je mourrais comme j'ai vécu, en Banouk, l'arme à la main. Mais la griffe a emporté trop de nos chasseurs. Je n'accomplirai rien en jetant mon cadavre au sommet de la pile. Il vaut mieux vivre dans un monde sans la griffe que de mourir pendant qu'elle fait de nouveaux orphelins. On dirait que tu as une bonne réputation. Être un Banouk, c'est repousser les limites de son corps. Je suis allé plus loin que beaucoup d'autres. Il y avait de terribles machines à tuer, et plus jeune. Je me suis découvert un vrai talent pour ça. Aujourd'hui, ma réputation est telle que lorsque la griffe souterraine a ressurgi, le Vérac m'a cherché. Tu as toujours confiance en tes aptitudes, comme ton Vérac actuellement ? Avant, peut-être. Et puis, mon arc s'est mis à trembler dans mes mains. J'ai vu pour la première fois des taches sur mes phalanges. Comme c'est étrange de devenir vieux. On voit le chemin parcouru derrière soi, tout en constatant le mur droit devant. Ah bah c'est gay. Cette machine, la griffe souterraine, pourquoi voyager jusque dans la plaie pour la traquer ? Certains chants possèdent un refrain, le retour d'un moment du passé. Ça m'a inspiré. Tu as déjà traqué cette machine ? J'avais sans doute une vingtaine d'hivers. On a été à deux doigts de régler son compte à la griffe. Personne n'a jamais fait mieux que nous. Nous ? Moi et mon ami. C'était l'un des chefs de mon Vérac, un bon chasseur. Régulièrement, la griffe surgissait dans une nouvelle région. Je connaissais deux chefs auxquels elle avait ôté la vie. Mon ami fut le troisième. Cette chasse, j'espérais la réussir en son honneur. Ça a l'air de compter beaucoup à tes yeux, Umnak. Tu es sûr de vouloir que quelqu'un d'autre tue cette machine ? Oh, je ne suis plus de taille contre la griffe souterraine. Si je l'ai été, si je l'affronte, elle me tuera. Ça ne fait aucun doute. Le sang Banouk dans mes veines me hurle d'aller affronter la griffe en personne. Mais je veux la voir mourir. Et les morts ne voient pas grand-chose. D'accord, Umnak. C'est le seul qui a un discours à peu près sensé depuis le début. Les légendes racontent que la griffe souterraine ne repasse par ici qu'un hiver sur six. D'après des murmures qui me sont parvenus, elle se serait installée aux frontières nord-est de la plaie. Le nord-est. Est-ce que... J'y suis déjà allé. Ok, donc c'est le truc où il y avait rien quoi. J'y suis allé, il y avait quoi ? Si, il y avait un truc. Ah, oh, je sais plus. Il y avait un truc, mais il y a pas. Il y a un truc, mais il y a pas grand chose. Tous les hivers arrivent en même temps. Bon, il y a une autre meuf là. T'es à l'œil, c'est ça ? Mon père, Burgren, je veux dire, m'a dit que tu risquais de passer. Varga, enchantée. Hé, hey, elle est impressionnante ta lance. Tu l'as personnalisée, on dirait. Je l'ai un peu modifiée. T'as l'air de t'y connaître. Si seulement les Banouk pensaient comme toi. Personne s'intéresse aux pièces détachées d'étincelles par ici. Les gens veulent que des arcs et des lances sans intérêt. Je préfère les trucs plus audacieux. Et pourtant, les Banouk peuvent l'être. Comme cette lance que Maniar attaque. Un rail de glace. Oh, ou alors l'arme d'Ourea. Qu'est-ce que je donnerais pour mettre la main dessus ? Sentir la force. J'ai tout maintenant, moi. Mais je suis prête à tout essayer, vraiment. Ma dernière commande remonte à un mois. Une arme qui crachait du feu. C'était pas beau à voir. Ah bah j'ai tout, moi. J'ai un rail de glace, comme celui d'Aratak. Tu veux jeter un œil ? Oh. C'est pas une blague ? Oui, oui, j'adorerais. Ok. Gros défaut de conception. Mais si je les remplaçais... Ouais, ça ah, peut... Ah, ah.
Ok, tu vas peut-être pas me croire, mais ta belle pourrait, et je n'exagère pas, doubler son potentiel. Pourquoi tu dis belle ? Oh, belle. Pourquoi pas, les armes sont des filles. Je ne comprends pas que c'est un compliment. Bon, écoute, si on avait des mandibules de gueule d'orage, ta belle pourrait rouler des mécaniques. Et je sais où en trouver, si tu veux chasser avec moi. Alors, imaginons que tu connaisses quelqu'un en possession d'une arme comme celle d'Ourea. Tu veux rire ? Vois par toi-même. Regarde, surprise ! Alors, le ressort génère l'étincelle, mais la source d'énergie n'est même pas vissée. Cette arme, elle est magnifique. Mais bon, il y a magnifique et il y a magnifique. Il lui faut une serre d'oiseau tempête. La foudre y passe comme l'eau sur une plume d'oie. Et je sais où on en trouve. Chasse avec moi et je ferai de cette arme ta meilleure amie. Ta meilleure amie. Après moi. Une arme qui crache des flammes, comme celle-là. J'ai pris cette arme à une crapule au céram. Tu pourrais en faire quelque chose ? T'as récupéré mon souffle de forge ? Si t'as éliminé Olgrud et ses laquais pour l'avoir, elle est à toi maintenant. Tu ne voudrais pas la peaufiner ? Cette arme, cette belle, mérite de devenir ce que tu voulais. J'osais pas te demander. Il va me falloir un museau de cracheur. N'importe quel genre. Tu peux me trouver ça ? Je crois que j'en suis capable. Ok, bon. Rappelle-moi ce qu'il faut pour réparer ça. Ces mandibules de gueule d'orage feront l'affaire. Ah ! Rappelle-moi ce qu'il faut. Ces mandibules de gueule. Ah bah je les ai déjà, non c'est ça ? Tu peux vraiment arranger. Bien sûr ! Ton souffle de forge. Je te l'ai dit, juste un mu. Donc on veut des pièces d'oiseaux tempête et de gueule d'orage. Tu sais où les trouver ? Exact, mais il va falloir crapahuter. On trouvera un gueule d'orage à Fourche-Vallon et un oiseau tempête près des hauts blocs. Je me prépare et je te rejoins. Ça va être marrant. Ok. Tu vis encore. Tant mieux. Ok. Oh là là. Ok, faut que je trouve un crasheur. C'est où ? C'est où ces trucs ? Déjà, où est-ce que je vais... est-ce que je vais buter la griffe ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On a un attaque. Bon, déjà, je pourrais... sauvegarder, déjà. Je pourrais aller déverrouiller le... Albozer. Ah mais attendez. Non je l'ai fait. Non l'artisanat oui ça a été fait. Ouais ça a été fait. Je l'ai terminé. Merde. Merde. C'est encore trop près. Nickel. Un de moins.
Non, reviens là. Va pas te faire sonner toi. Voilà. Pas soigné. Quoi? Ah merde. Y'a un enfoiré là. C'est où je suis ou pas? Non, il tire dans le vide là. Duke. Il est là. Ils sont combien? Il y en a deux. Il n'y en a que deux. Je dois me débarrasser de cette tour. Vite, 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 vite. Vite. Nice. Attendez, le tracker. J'avais pas un truc si avec les trackers. Attendez. Ah oui, tracker. Les carreaux de tempête. Des carreaux chargés. Donc c'est ça, hein. Parce que là, oui, non, ça c'est le feu. Aïe! Qu'est-ce que j'ai pris? Putain, des carreaux de tempête, mais. Foudroyeur Banouk! Non, attendez, le foudroyeur Banouk, c'est bien ce que j'ai pris là. Foudroyeur Banouk, pourquoi ça ne marche pas? Bon, voilà, j'ai réussi un. Bon bah voilà, je les ai tous fait du coup. Et oui. Trop bien. Est-ce que j'essaierai pas de me chercher un endroit où il y a des trackers? Je crois qu'il y en a dans le bas là.
On va se trouver des trackers et on va les leur mettre des de l'électricité dans leur petit circuit. Cuit. Raton, raton quelque part ? Oh, un raton là-bas. Non, non, c'est pas ça que je veux faire. Ah, mais il est derrière, il est devant la pierre, il est où ? Et il est là, regardez. Alors, est-ce que j'ai un raton ailleurs ? Parce que lui, il m'a rien donné. Yes, du bleu. Ça, ça sent la peau de raton, ça. C'est bon. Yes. Ok. Ça, c'est du rat. Alors. Le lance-corde. Ou. Ah non, le souffle. Ah non, le souffle de forge. Est-ce que j'ai encore du raton quelque part ? Raton aussi ça? Mais c'est la zone des ratons ici en fait. Oh, putain, une peau. Pitié, une peau. Yes. Ah oh, mais ce coup de bol quoi. Depuis le temps que j'en cherche des peaux de ratons. Faut des bâtons. Vite des bâtons. C'est assez ouf en fait. Depuis le temps que j'en cherche, que j'en trouve pas. Et là, des rats. C'est ça? Ouais, os de rat. Bon, les rats, je sais où en trouver. Du coup, on va au, on va aller chercher les petits trackers. On va leur casser la gueule. Tac, c'est par là. Que je vais arriver à les voir. Ah, il y en a un là. Et bah voilà. Il est où l'autre? Hop là. Ah oh bah en fait, finalement les trackers que je détestais. Bah maintenant je peux les buter assez facilement. Je peux m'en sortir. C'est pas mal. Nice. Hop. Oh là là, les quêtes là qui s'enchaînent comme cool chaîne. Les didacticiels ils sont faits. Faut que je trouve des rats. Les rats, où est-ce qu'il y en avait? Les rats tout. Il y en avait en ville, je crois, des rats, hein, non? Est-ce qu'il n'y en avait pas là? Il n'y avait pas un petit bled si. Est-ce que je trouvais... Je n'ai pas trouvé des rats ici. Des petits rats tout. C'est des os en plus qu'il faut que je trouve. C'est pas le truc le plus compliqué à trouver. Alors, les ratous.
serait bien la seule ville où il n'y a pas de rats, quoi. Non, bah j'y retournerai. Là, je suis content, j'ai fait mon truc. Je vais faire cette quête-là. Hop. La griffe souterraine, donc il est possible. Ah, par contre, j'ai pas de bois, c'est ça? Limite nord-est de la plaie. D'après Omnak, c'est là que je trouverai la griffe souterraine. Pourquoi je vais là? J'ai 19 bâtons, quoi. Ah, peut-être aller chez un marchand. On va aller se faire un petit marchand avant, là. Parce que... y aller avec 0 flèche... Je pense que l'idée est un peu conne. Il est où? Il est où le marchand? Il est là. Oh, il est droit devant. Hein. Alors, cher marchand, je voudrais t'acheter des ressources. Je voudrais t'acheter des fagots de bois. Merci. Ouais, tout ça, j'ai, c'est ok. Ah oui, j'en ai 800 maintenant. Ça va être mieux. Hop. Et je me re-téléporte. On va y arriver. Je vais dans le mauvais sens. Quel gros naze. Ah, regardez. J'aime pas ça. Merde, merde, merde! Vire tes merdes là devant. Aïe! Ah, je pensais pas que je me ferais aussi mal. Dommage. Ouh, joli. Ouch. Bah oui, forcément, j'étais coincé. Aïe!
Je suis où? Allô? Godzilla ce truc, un peu ouais. What? Est-ce que j'ai déballé mon colis pour accueillir tu sais qui et que je me suis allongé au sol avec les genoux relevés parce que j'avais mal au dos et je me suis endormi et que c'est mon menton de ronfler qui m'a réveillé? Non, pas du tout. Y'a pas de preuve. Vieille. Putain, je me suis fait tout shot. Vous avez vu ça? Il m'a touché deux fois. Tire comme arrière. Allez, R comme arrière. R comme Rabia. Ça sent la bouffe dehors. Attendez. Casse-toi à l'œil. Pas conne non plus. Merde! Arrête.
Allez! Ça dégage. La griffe souterraine. Umnak ne mentait pas en disant que t'étais coriace. Un petit thé comme Tony Hob? Bah ouais. Hop. T'es comme Tony Hob. T'as vu ça? Plus 40% dégâts. Oh là 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 là. Oh, ça je le veux. Ça je le veux, ça se revend cher. Par exemple, ça je peux. Voilà, hop, hop. Voilà, je lui ai cassé sa petite gueule. À la griffe. Hop, et je retourne là. Mon feu de camp. Hop. Je sais pas comment je suis mort tout à l'heure parce que vraiment il m'a tout shot. Hein. C'est une fois que j'avais plus mon armure, il m'a mis deux coups et puis c'était mort quoi. J'étais décédé. La plaie a vu bien des changements ces derniers temps. C'est fini. Ça n'a pas été facile, mais ce brise roc ne fera plus de mal à quiconque. La griffe souterraine abattue par une étrangère. Cette partie de ton champ voyagera loin. Je vous abandonne. Bah de toute façon je vais arrêter là, patatart. J'ai faim. Que les gens sont rarement à la hauteur. Donc, je vais m'arrêter ici. Mais tu fais exception. Et je te dois beaucoup. J'ai un petit burger à me préparer là. Mon ennemi est sous terre, comme les trop nombreux chasseurs qu'il a tués. Mon ami, mon chef de clan, serait heureux de savoir que plus personne ne connaîtra son sort. Voilà pour toi. Qu'est-ce qu'il va me donner ? Tu l'as amplement mérité. Du cristal bleu, c'est gentil. 13 000 d'XP. Je me rapproche du niveau 60 là. Hein. Ou je me rapproche, ouais, je me rapproche bien du niveau 60 là. Est-ce que ce sera la fin? Ok, je reste pour le raid, tout ça, des stats et tout. Ouais, bah regarde, j'en ai pour 2 secondes. Hop, je vais juste aller regarder ce qu'il m'a offert. Tac, ça c'est des trucs que j'avais avant. Un bloc de métal transformé. Ok. Allez hop, bon, on vendra tout ça la prochaine fois. Et on va s'arrêter là. Bah des bisous YouTube. À la prochaine.